Marie-Louise Mertz, je suis native de la région gourmaise de Abbé-Laneuve et j'habite maintenant Bastogne. Bastogne, patrie d'adoption, ardennaise d'adoption, mais gourmaise de cœur. Mais n'empêche, je me suis bien intégrée et l'Ardenne a suscité quand même une vocation. La vocation était suscitée par la gourme, mais je l'ai vraiment bien remplie, bien réalisée ici, dans cette Ardenne. Cette Ardenne, un pays un peu rude, ces paysages qui sont très poétiques, ces gens attachants, il faut gagner leur confiance, mais c'était toujours intéressant. Mon premier dessin, je me rappelle, c'était les poules du poulailler. C'était un dessin au crayon de couleur. Tout simplement, et je crois que c'était pas mal. Les poules étaient vivantes. Tu l'as encore ? Non, je crois pas, non. Non, ça c'était vraiment très loin, parce que ça fait plus de 40 ans que ça dure. J'ai fait beaucoup de copies. J'ai fait des copies parce que c'est formateur, on apprend ce que d'autres ont déjà réalisé. Donc, voyant que je réussissais bien mes copies, les premiers cours de peinture que j'ai reçus, on a abandonné la copie et puis on a commencé le travail d'après nature. J'ai fait là de la nature morte. La nature morte, c'est très formateur. On prend conscience des volumes, de la ligne d'horizon, des points de fuite, etc. C'était la base. J'ai rencontré des maîtres. J'ai rencontré spécialement un maître Pierre Braillard, qui m'a pris dans son équipe. Et avec lui, je suis allée en Alsace et là, j'ai travaillé le sujet d'après nature. Le cheval est planté dans l'herbe et on devait travailler la nuit, le jour. On travaillait le jour en mémorisant le paysage de façon à pouvoir le rendre la nuit. Donc, on exerçait sa mémoire et cela, d'une façon quand même ardue, il fallait reconstituer ce qu'on avait vu le jour, mais avec la lumière de la nuit, l'éclairage de la lune, et c'était très formateur. Après cela, vu que des concours s'organisaient, je me suis inscrite à ces concours, et notamment à Tulette, où j'ai remporté un premier prix de France, également à l'Académie de l'UTS à Paris, où là, on m'a reconnue pour ma compétence dans les fleurs, les créations florales, bien rendues, non seulement artistiquement, mais en respectant la botanique et l'esthétique. C'était des créations de beauté et c'était reconnu par des grands. Ça m'a fait plaisir parce que là, je crois que je ne m'étais pas trompée. On peut évidemment parler de cette analogie avec le peintre redouté qui était le peintre des fleurs à l'époque. J'ai participé, une petite anecdote, à une exposition de la Croix-Rouge. Ça se passait il y a certainement plus de 20 ans. Et le peintre redouté était mis à l'honneur à cette exposition et je pouvais participer avec des peintures composition florale. Et le président de la Croix-Rouge, le prince Albert de Belgique à l'époque, avait fait la remarque que c'était tout à fait bienvenu d'avoir des peintres des fleurs au milieu de cette exposition en souvenir du peintre redouté. J'ai rencontré un jour un peintre canadien au rendez-vous des roches à Rochefort. C'était une fête locale et on m'avait appelé à participer pour faire des démonstrations de peinture en public. Ça l'avait beaucoup intéressé, cette technique l'avait beaucoup intéressé et il m'a demandé de venir là-bas à Québec, chez lui, pour lui enseigner personnellement, ainsi qu'à quelques autres participants, lui enseigner cette technique qui était tout de même assez extraordinaire. Il a été subjugué, j'ai peint des fleurs, j'ai d'abord fait le bouquet en ramassant ce que je trouvais dans les fossés de Québec et là, nous avons peint ensemble, c'était une très belle expérience. Ce tableau que je suis occupée à réaliser est destiné à une exposition au Palais Abbatial à Saint-Hubert, exposition des peintres du Luxembourg, La fleur dans le paysage. Je me suis rendue plusieurs fois sur ce site. Il s'agit du vivier des petits étangs face du château de Rollet.
C'est un endroit extraordinaire avec une suite de petits étangs très sauvages. On entend murmurer l'eau, les grenouilles coassent, enfin une belle ambiance. Et je le rends ici avec des iris en avant-plan qui ne sont pas encore faits, mais dont j'ai réalisé quelques études préalables. C'est une belle composition qui sera donc exposée au Palais Abbatial à Saint-Hubert. Voilà. Je réalise maintenant les roseaux qui se placent en bordure de l'étang. Et puis on fait un flou. Qui emploie cette technique? Qui l'a employée dans le passé? L'artiste peintre qui m'a enseigné cette technique s'appelait Pierre Braillard. Il avait fondé une école en France, École française d'impressionnisme moderne, et il concevait que l'on pouvait réaliser des effets extraordinaires avec ce couteau, les flous, et donner une impression de relief tout en conservant une peinture lisse. La dextérité s'acquiert en travaillant énormément, en travaillant tous les jours, en travaillant tous les sujets, et en maîtriser ceci, eh bien, je crois qu'il faut des années. Il y a différentes tailles de couteaux. Celui-ci est un couteau fin, mais à côté de cela, vous avez d'autres dimensions plus larges, plus longs, qui servent à d'autres usages. On ne fait pas tout avec un couteau fin, parce que des arrière-plans très flous se font avec un large couteau. Un avant-plan avec, par exemple, l'eau de l'étang, ici, je travaille au large couteau. Établir les reflets se fait au large couteau. Les couteaux plats, les couteaux arrondis aussi, servent davantage pour la réalisation des fleurs. Et tout ce que tu fais, c'est au couteau? C'est au couteau. Donc toutes mes peintures? Toutes mes peintures sont au couteau. Il arrive parfois qu'intervient le pinceau pour l'un ou l'autre détail impossible à régler avec un couteau, par exemple dans le portrait. Le premier enduit qui est de la colle de peau de lapin, ça se présente sous forme de petites plaquettes que l'on coupe en petits morceaux, on les fait tremper et fondre dans un bain-marie de façon à obtenir une colle assez liquide. On enduit les parties à repeindre avec cette colle. Vient ensuite un enduit d'acrylique blanc. Ceci afin d'avoir un ton neutre avant d'apposer la polychromie finale. Ensuite, on laisse sécher des intervalles de séchage entre toutes les opérations. Vient ensuite la pose du vernis et de filets de dorure éventuellement. Lors du premier nettoyage et décapage, j'ai retrouvé quelques particules de peinture qui donnait une indication sur la polychromie à réaliser pour terminer. Donc, après le recouvrement à l'enduit blanc, ceci a été repeint dans les tons d'origine qui n'existaient pratiquement plus. Pour terminer le travail, on dépose un peu de dorure sur certains reliefs et le vernis pour terminer. La restauration des peintures de l'église Saint-Pierre ont été pour moi l'occasion de présenter une autre facette de mes activités. Ça a duré 6 mois de travail sur les années 1999-2000. Il s'agit de 8 tableaux relatant la vie de Saint-Pierre. Ces peintures ont été nettoyées, restaurées et aujourd'hui, tout le monde peut encore en profiter. Elles sont toujours intactes. La créativité va parfois au-delà de la peinture des tableaux et de statues. Voici une étiquette de bière, la bière de Reinhardstein, un château moyenâgeux situé à Ovifa. Je vous y convie bien volontiers à le visiter très prochainement.